Bon, on est jour 7. Fin de semaine, là. Oui. Puis, ben, en fait, pas tout à fait. C'est la 16e journée, mais il en reste 7, ça, c'est sûr. Puis, on s'en va vers Santa Barbara. On va voir des bons sauts. Le chemin est super smooth, contrairement à l'aller à San Diego. Là. À la date, on a fait à peu près la même route en 3 fois moins de temps. À peu près. Santa Barbara, qui est reconnu pour un très long quai sur lequel on peut aller en char. Ben oui, on est aux States après tout. Du bout du quai, on a une très belle vue de la petite ville de Santa Barbara. On avait un hôtel très chic. Bon, aucun service, tout était en supplément, mais au moins, on avait une vue de la mer, de la chambre d'hôtel. Le lendemain matin, jour 8, on s'élance sur la route 1 sans savoir ce qui nous attendait. Bon, ça commence vraiment smooth. Une autoroute d'à peu près 6 voies de large, la mer d'un côté, les montagnes en arrière, c'est super joli. La 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 la! Mais très vite, ça rétrécit, la mer se rapproche, on escalade les montagnes. Moi, j'ai vraiment trouvé ça agréable, le paysage est superbe. C'est sûr que je conduis pas, là. Fait que c'est tout mon père qui avait le stress de conduire d'un petit trou escarpé en lacet qui arrêtait pas de tourner, de monter puis de descendre.